in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Chers amis, bonsoir et bienvenue en ce mercredi 24 novembre pour la prière du soir en compagnie de l'équipe de la paroisse de Saint-Thomas. Laissons Dieu nous guider par l'inspiration de son Saint-Esprit. Père, nous te disons merci de nous avoir accordé ce temps de prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À la page 47, Philippiens, chapitre 1, verset 2. À vos grâces et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. À la page 48,
Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous disons ensemble joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Let us reflect on Psalm 91 and Psalm 93. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. The Lord reigns, he is robed in majesty. The Lord is robed, he has put on strength as his belt. Yes, the world is established, it shall never be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting. The floods have lifted up, O Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their roaring, mightier than the thunders of many waters.
mightier than the waves of the sea. The Lord on high is mighty. Your decrees are very trustworthy. Holiness befits your house, O Lord, forevermore. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 41, verset 7. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils font silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force. Qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 16, le verset 1 à 11. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint. » parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Parole du Seigneur. Le psaume 91 déclare que Dieu, notre Dieu, est plus grand. Dieu sait tout, il connaît tout. Il connaît la véritable situation. Il voit notre cœur, il entend notre cri. Lui, le Tout-Puissant, malgré notre situation difficile, Dieu est capable d'apporter une solution. Il est le Dieu de la promesse. Il est avec nous, comme il était avec Israël, même au temps d'exil. C'est le même Dieu de la promesse qui est notre protecteur. Il est notre confident. Dieu nous promet sa protection. Il met ses anges à notre service pour nous aider à nous relever dans le désastre. Rien ne pourra nous atteindre, car par trois fois ce psaume nous affirme la délivrance. La promesse de Dieu est garantie. Il nous relèvera de la chute et nous défendra contre l'ennemi. À côté de Dieu, nous sommes en sécurité. Dieu est pour nous un abri sûr. En lui, nous pouvons avoir une confiance totale. Il nous relèvera de tout mal. Mettons en lui notre confiance en ce temps d'incertitude, car il est le Tout-Puissant et fidèle. Avec lui, pour abri, que les flèches du mal soient brisées. Dieu qui est amour, sa fidélité durera toujours. Mettons en lui toute notre espérance. C'est lui qui combattra pour nous. L'ennemi est vaincu d'avance. À lui, la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.
à la page 52, Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour, et ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous venons vers toi avec nos prières. Incline une oreille favorable envers nos supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Seigneur, nous te prions pour la République de Maurice qui va mal. Seigneur, aide le peuple mauricien à surmonter les problèmes sanitaires, économiques et sociaux qui se sont aggravés avec la pandémie COVID-19. Donne-nous d'être un peuple solidaire et plein de compassion en ces temps difficiles. Éclaire, Seigneur, ceux qui nous gouvernent. Aide-les à prendre des sages décisions pour la santé publique, la relève économique et la paix sociale. Seigneur, nous te prions pour ceux que tu as choisis pour te servir pour l'avancement de ton royaume. Garde-les, Seigneur, sous ta protection, pourvois à leurs besoins et donne-leur une bonne santé. Veille aussi sur leurs familles qui les soutiennent dans leur ministère. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, âme et esprit. Donne du courage à ceux qui luttent contre la maladie. Entoure-les de ton amour et qu'ils soient soutenus par leur famille. Seigneur, réconforte ceux qui ont perdu un être cher et que ceux que tu as rappelés auprès de toi reposent en paix. Inspire et guide ceux qui cherchent des solutions pour lutter contre le COVID-19. Protège et garde en bonne santé tous ceux qui se dévouent à soigner les malades. Le psaume 34, verset 18 dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Seigneur, nous avons fait monter vers toi ces prières par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Hear our prayer. We
are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove
Prions le Seigneur. Eternal Father, whose Son Jesus Christ ascended to the throne of heaven, that he might rule over all things as Lord and King, keep the Church in the unity of the Spirit and in the bond of peace, and bring the all created order to worship at his feet, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Action de grâce. Tous ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à tous. Amen. Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. Trust you.